connaissez peut-être, nous sommes devant le pavillon blanc de Colomiers, la fameuse médiathèque conçue par l'architecte Rudy Ricciotti. Colomiers, plus que jamais dans la course aux qualifications dans le championnat de Pro D2. Tout de suite, le sommaire de l'émission. La victoire contre Albi cette semaine peut faire rêver les Columérins, Colomiers, Albi ou l'histoire de deux destins opposés de la Pro D2. Évincé de son poste de manager de l'équipe de France à 7 après les élections, le Columérin Jean-Claude Scrella est dans l'entretien. Bain de soleil pour les Bleus, retour sur leur semaine à Nice avant de jouer l'Irlande. Nous sommes à l'entraînement avec les joueurs de Colomiers après leur défaite à Mont-de-Marsan qui a mis fin à une série de 3 victoires consécutives. Et bien les joueurs avaient à cœur de conserver leur invincibilité ici au stade Michel Bendichou. Jeudi, ils recevaient Albi. Albi qui se débat en fin de tableau pour éviter de couler. Reportage Didier Laguerre, Eric Korevitz. Deux entraîneurs sur 3 écartés, Serge Millas, Philippe Béraud. Des joueurs en autogestion, un staff en reconstruction. Février noir pour les Albigeois. Cerise amère sur le gâteau, le Sporting est relégable malgré la large victoire sur Dax, 8 jours plus tôt. On a pris nos responsabilités. Voilà, on savait que la semaine, c'était pas évident avec tout ce qui se passait. Mais voilà, il y avait beaucoup d'envie pour ces groupes de faire le mieux que possible. À 4 jours du déplacement à Colomiers, personne ne souhaite commenter cette actualité brûlante. On fait l'effort, il y a un placage, on est touché. Ici, et dans un deuxième temps, on libère ici. Et on travaille aussi. Pour assurer l'intérim, Julien Guillard et Florent Wisorek, les entraîneurs de l'équipe Espoir. À la demande des joueurs, retour d'un ancien de la maison, le numéro 8, Vincent Clément, indissociable de l'époque Éric Béchu. À cet instant précis, lui non plus ne souhaite pas s'exprimer. Pour évoquer le déplacement à Colomiers, c'est au capitaine Julien Reynaud, blessé de longue date, qu'il faut s'adresser. Nous, on va tenter d'aller jouer crânement notre chance là-bas, en sachant qu'effectivement, sur le papier, on n'est pas en position forcément de rivaliser. Pour autant, je crois qu'avec l'investissement qu'on a mis vendredi soir, si on est en mesure de le remettre jeudi, pourquoi pas avoir une bonne surprise. Pour ce déplacement de proximité, confiance aux jeunes, ils seront 8 joueurs de moins de 23 ans alignés sur la feuille de match. Et parmi eux, Quentin Pueyo, formé à Beaumont-de-Lomagne, passé par Bayonne. Après, je m'emballe pas, mais bon, ça fait toujours plaisir. Enfin, content de rentrer dans le groupe un peu. Plus les entraîneurs nous font confiance, là, ça se passe hyper bien. Enfin, franchement, on se prend pas la tête, on voit, et ça se passe super bien. À Colomiers, en revanche, tout baigne. Une victoire bonifiée face au Tarné propulserait momentanément les Hauts-Garonnais en tête du classement. Et cela commence devant. Ah, 20h45, soir de match. À cet instant précis, 21 points séparent les deux équipes au classement. Mais les espoirs côté albigeois n'auront duré que 55 minutes grâce à 2 essais. Le premier signé Nazoni Nakiri sur ce ballon poussé au pied. 10 minutes plus tard, Mathieu Peluchon tape dans le dos de la défense pour Benoît Sicard. 21-17 pour les Tarnais qui se mettent à rêver. Colomiers réagit de façon plus sporadique. Sur le tard, Martin Pouèche signe un exploit personnel version bulldozer. Et sur la sirène, Colomiers atteint son objectif, le point bonus. C'est Cédric Coll qui s'en charge. Score final, 36-21. Bon, mais voilà, on s'attendait à un match compliqué, donc ce soir on l'a eu. Ça a été une équipe très valeureuse avec, voilà, qui a mis beaucoup de courage. Et voilà, le bonus offensif aujourd'hui, on est très content parce que c'était très loin de l'avoir. Je pense qu'on est en train de, voilà, on est en train de bâtir un groupe, en train de bâtir un état d'esprit. Ce soir, on a vu des jeunes joueurs qui ont répondu présents et qui se sont envoyés. Donc pour ça, c'est très positif. Voyage à vide pour Albi. Pour Colomiers, en revanche, tout va bien. On en serait presque à oublier les rumeurs de départ de Bernard Gouta. Merci Bernard d'être avec nous pour Rugby Magazine. Alors Clermont vous a fait une proposition ces derniers jours après le départ annoncé de leur entraîneur des Avants, Jono Gibbs. Oui, je fais partie de leur shortlist, donc voilà, mais pour le moment, j'ai rencontré personne, j'ai eu aucune proposition. Alors c'est quoi? C'est Franck Azéma, votre ami avec qui vous entraîniez à l'USAP, qui vous a téléphoné? Comment ça s'est passé?
Oui, il m'a averti du départ de John O'Gibbs, qu'ils étaient à la recherche d'un entraîneur des avants. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Ensuite, bon, bien évidemment, j'en ai parlé à Alain, donc mon président, que lui, sur le fond, il n'y voyait aucun inconvénient à ce que je ne fasse pas ma dernière année de contrat. Donc, voilà. Mais ensuite, voilà, Franck, ce qu'il regarde, pas que Franck, hein, je dirais... ce que l'ASM regarde avant tout, c'est les compétences. Donc, c'est pas une amitié, c'est voilà, il y a rien qui est laissé au hasard dans leur processus de recrutement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais partie juste de la shortlist. Mais clairement, quand même, Bernard, si vous deviez quitter le club alors que Colomiers est sur une belle dynamique, vous pensez que ça peut jouer sur la fin de saison du club ? Pas du tout, au contraire, bien évidemment qu'on tâchera de bien partir de ce club et de finir voilà, le boulot qu'on est en train de faire. Et on est en train de faire un très bon travail depuis 5 ans. On est encore dans les clous, notamment par rapport à la qualification. Donc on va s'accrocher à ça. Donc il n'y a que ça qui nous intéresse. Alors lui aussi va suivre évidemment la suite de la destinée de Colomiers de très près, puisqu'il est né ici à Colomiers et qu'il a participé à la création notamment de l'école de rugby de ce club. Jean-Claude Scrella est dans l'entretien de Rugby Magazine. Il a été troisième lignel au Stade Toulousain avant de diriger les Rouges et Noirs. Et puis, avec ses 46 sélections, il emmène le 15 de France en finale de la Coupe du Monde en 1999 après deux grands chelems. Directeur technique national pendant 10 ans, il était manager de l'équipe de France à 7 jusqu'aux élections. Il espère encore plus des Bleus après la victoire contre l'Écosse. Je suis bien conscient qu'avec la pression qu'il y avait sur le résultat, parce qu'ils font 3 matchs et ils ne gagnent pas, et derrière le rugby français a mis une telle pression que je suis convaincu que psychologiquement les joueurs se sont un peu refermés sur eux-mêmes. Et ils ont gagné le match avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ce que fait le championnat, c'est-à-dire avoir une très bonne mêlée, avoir une très bonne conquête, un bon mol, un contest et on gagne. Aujourd'hui, je suis un peu en dehors des affaires, mais je suis convaincu, pour l'avoir fait moi avec l'équipe de France, il faut passer au-dessus de ça et continuer à jouer son jeu, à mettre son projet, parce que c'est dans la difficulté que ça passera. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de très bonnes relations avec Guy. On a été joueurs ensemble, on a été entraîneurs. Après, on s'est séparés, on s'est engueulés. Mais avec Guy, si tu t'engueules pas, si tu trucs, tu n'es pas son copain, tu n'es pas son truc. Donc ça, c'est la vie normale. Après, je lui souhaite sincèrement, de tout cœur, de réussir, parce que c'est vraiment le rugby que j'aime. C'est vraiment le rugby tel qu'il doit être joué. Il l'est comme ça maintenant, même dans les moments difficiles. Je sais qu'il ne lâchera pas, mais qu'il ne lâche pas. On parlait tout à l'heure du jeu de l'équipe de France, mais je pense que le rugby français en lui-même est quand même très conservateur de ses principes, quoi. Et donc, le rugby à 7, il ne le voit pas comme un jeu de formation, un jeu de compétition. Il est au jeu, quoi. Il est aux Jeux olympiques, le rugby à 7. Et c'est en termes de communication, en termes d'image, c'est un vecteur mondial. Quand on voit la Chine qui va mettre 100 millions de dollars pour développer le rugby parce qu'ils ont envie d'aller au jeu, parce qu'ils veulent exister au jeu, je me dis que nous, il vaut mieux qu'on ne perde pas trop de temps parce qu'on pourrait y être vite absent, quoi. S'il y a une proposition X d'être manager, vous ne diriez pas non. Je ne sais pas, je réfléchirai. Moi, je ne l'ai pas été manager, je l'ai été du monde professionnel. Alors, je ne sais pas, je resterai peut-être pas longtemps, parce que j'ai des idées, j'ai des façons de faire qui ne sont peut-être pas tout à fait adaptées au fonctionnement actuel, mais on ne sait jamais. Le Columérin Jean-Claude Scrella, qui a confiance donc dans le travail de Guy Noves, le 15 de France s'apprête à jouer l'Irlande cet après-midi après sa victoire en demi-teinte contre l'Écosse. Le 15 de France qui s'est préparé cette semaine au soleil à Nice. L'hôtel est sur la promenade des Anglais face à la mer. Les déplacements se font sous escorte. Nice est sous surveillance depuis les attentats. Pourtant, c'est la douceur que les Bleus sont venus chercher ici, 16 degrés au stade des Arboras et des tribunes remplies de supporters.
on a un peu plus de soleil qu'à Paris et c'est agréable nous pour joueurs pour s'entraîner. C'est toujours plus. Les conditions sont mieux qu'à Paris quand le terrain est gelé aussi au début du tournoi. Donc là on profite de ça, mais surtout de travailler dans des bonnes conditions pour bien préparer le match de l'Irlande. Se reposer, profiter, escapade à Monaco le week-end dernier. Tourisme et balnéothérapie au programme. Détente, oui, sérieux aussi. L'ambiance au petit déjeuner est très sage. Vitamine pour une semaine concentrée. C'est Camille qui talonne. C'est le nouvel intervenant auprès des Bleus. Jean-Baptiste Poux est natif de Béziers, pilier pendant 11 saisons au Stade Toulousain. Joueur encore en activité à Bordeaux, le complice de Yannick Bru est venu distiller ses conseils en mêlée. Il viendra une fois par semaine désormais, à chaque rassemblement. Guy Noves veut que les Bleus aient des repères. Il n'a fait que 3 changements pour jouer l'Irlande. Vakatawa blessé, Huger est à nouveau titulaire, définitivement oublié son opération du genou. L'ailier toulousain retrouve sa forme de la Coupe du Monde. J'ai du mal à évaluer le grand niveau qu'il pouvait avoir à la Coupe du Monde, le niveau qu'il a aujourd'hui. Je n'y arrive pas. Je sais que vous y arrivez, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est plein d'enthousiasme. Il a été exceptionnel de comportement en étant au service des autres. Jeudi soir, le groupe a rejoint l'Irlande. Dans l'avion, Jean-Marc Doussin, l'ouvreur toulousain n'est pas sur la feuille de match, payant certainement son faux pas contre l'Écosse. Il devrait donc regarder ses coéquipiers affronter la 4e nation mondiale. Voilà, à savoir si l'air de la Côte d'Azur va donner des couleurs à nos bleus. Réponse tout à l'heure, 17h50. La semaine prochaine, Colomiers se déplace à Carcassonne. Nouveau derby de l'Occitanie. Très bon week-end à tous. À samedi prochain.